Donc, maintenant qu'on a créé notre imbrication, il va falloir qu'on fasse la programmation. Donc, lui, il a juste créé l'imbrication, il a imbriqué les pièces en nous laissant des écarts de 5 mm entre chaque pièce. Donc, il nous reste ici, donc, on a fait dans modifier, c'était l'imbrication. Découpe, on n'a pas besoin de faire de découpe parce que la découpe, elle a déjà été faite ici dans les pièces. Donc, on va aller directement dans Ordre ici. Donc, je clique sur Ordre. J'ai la petite fenêtre ici, style d'ordre automatique. Moi, je laisse placement ici et je peux la fermer. Elle se réouvrira de temps en temps. Il suffit de la refermer après. Donc, j'ai Ordre automatique. Pour le placement, je vais laisser toujours Ordre automatique ici. Et pour aller plus rapidement, je vais lui dire même faire la tôle complète. Ici, hein, j'ai un petit onglet Tôle complète, je clique dessus et lui, il va venir me découper toutes mes pièces suivant son ordre qu'il a choisi. Donc il peut commencer par cette pièce-là, après aller sur l'autre pièce, ainsi de suite. Donc ici, on a un petit découpe-fenêtre ici qui vient d'apparaître et tout notre découpe au plasma a disparu. Hein, normalement, on a un petit validé vert ici. Alors si vous n'avez pas cette barre ici de tâches ici qui se trouve sur le côté ici, elle se trouve ici. Hein? Hop, il suffit de cocher ou de décocher ici pour la faire apparaître. Pareil si vous avez quand même découpe fenêtre ici, le petit voyant vert, et que vous avez quand même toujours votre découpe plasma qui apparaît toujours ici, vous avez cliqué ici dans tout afficher, tous les outils à faire. C'est-à-dire que quand on est arrivé à ce niveau-là du programme, il n'y a plus aucune découpe à faire. Là, si je reviens juste d'un cran au-dessus, c'est-à-dire que là, ma découpe fenêtre n'est pas faite, donc là, je vais toujours avoir mon découpe plasma qui va être toujours en fait, qui va être toujours à faire. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais aller compiler, c'est-à-dire que je vais traduire tout ça, hein, lui, en code pour la machine. Donc ça va être, il va créer un programme à l'aide de toutes les informations que je lui ai données ici. Compiler. Donc, il va me demander d'utiliser le début de buse. Vous allez faire oui. Suivant. D'accord pour utiliser les valeurs par défaut, oui. Et compilation terminée. OK. C'est-à-dire que là, il a créé le programme. On va aller vérifier notre programme. Ici. Donc, vous voyez, il m'a remis la petite fenêtre ici, style d'ordre automatique. Je vais la refermer. Et je vais aller dans vérifier. Donc dans vérifier, j'ai ma tôle ici qui est en vert, l'espace de travail de ma machine qui est en rouge. Et je vais, alors j'ai une petite croix. Là, je vais positionner la petite croix dans le coin en bas à gauche. Hein, ça va être mon départ pour pouvoir lancer ma découpe. Donc je clique ici et après j'ai mon petit lecteur ici qui va s'afficher. Alors la vitesse de lecture, je vais descendre d'un petit cran. N'allez pas me mettre jusqu'en bas, vous faites juste un cran et après vous allez lire le programme. Donc les petites étoiles jaunes ici, ce sont les amorçages, hein, et les flèches, ce sont les déplacements, hein, pour vous dire quelle pièce il fait d'abord. Et les déplacements machine aussi. Hein, ça permet aussi de voir s'il y a des risques de basculement, s'il y a des risques de collision aussi. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller ici dans Modifier. J'ai vérifié ma découpe. Ici, il va mettre maintenant un temps de production ici qui va apparaître ici. Et je vais enregistrer mon programme. Alors, c'est exactement, il m'avait créé ici la dernière fois, quand j'ai cliqué sur Imbriquer, il me crée tout de suite un fichier Imbrication boîte 1. Le premier fichier qu'il a mis, il n'y avait pas le programme. Donc je vais enregistrer par-dessus la même chose, mais cette fois-ci, il y aura le programme en plus. Hein, dans le premier, il n'y avait que l'imbrication, et maintenant, il y a l'imbrication plus le programme qu'on a fait. Donc souhaitez-vous le remplacer? Oui. Et voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à transférer après ce programme-là sur la machine.